La marque du chez-soi, c'est quand on peut recevoir chez soi, quand on peut ouvrir sa porte. Il n'y a pas d'humain qui ne soit co-humain. Enfin, l'hospitalité, elle fait apparaître ce phénomène-là, enfin, et cette vérité, en quelque sorte, qu'on n'est pas humain tout seul. Ricoeur disait... Un sujet, c'est quelqu'un qui est avec et pour les autres. Et donc, c'est ça la co-humanité, c'est pas simplement la juxtaposition, être avec, c'est être aussi pour, être disponible, etc., pour ceux qui sont blessés, qui risquent de l'être, pour les gens vulnérables, on pourrait dire, de quelque forme que soit la vulnérabilité. Notre rapport à la Terre est un rapport d'hospitalité, en ce sens que la Terre nous accueille. Venir au monde, alors venir au monde, nous n'y sommes pour rien d'une certaine façon, et venir en cet endroit du monde plutôt qu'ailleurs, ça ne dépend pas de nous, il y a un phénomène de chance, de hasard, et Kant faisait valoir que pour cette raison même, personne n'est propriétaire de la Terre, personne n'est propriétaire de là où il est né. Donc faire valoir ses droits contre les étrangers qui n'auraient pas droit à être chez nous, c'est une aberration aux yeux de Kant. Les États, au fond, gèrent et en tant que, dès lors qu'il y a de la gestion, il y a un certain type de regard sur ce que l'on gère. On ne gère pas des personnes, on gère des ensembles, on gère des masses, on gère des flux, et dans ces flux, ben les personnes disparaissent, hein, d'où les centres de rétention, d'où les mesures vexatoires de toutes sortes. Font le celui qui se met en avant dérange. La personne qui vient avec sa souffrance particulière dérange. Elle doit se couler dans des moules, elle doit faire un récit type qui sera jugé acceptable de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a souffert. L'individu singulier disparaît là-dedans. En tant que citoyen, on doit savoir que l'État nous représente et que l'État qui entend nous dire, nous imposer qui nous devons recevoir, qui nous ne devons pas recevoir, cet État usurpe un pouvoir qui doit être un pouvoir commun. L'hospitalité telle qu'elle est pratiquée par des gens dans les Alpes qui aident des réfugiés, en dépit des obligations, des défenses, ceux-là sont de vrais citoyens. Ils savent quand il faut être désobéissant pour respecter ce qui est supérieur à tout État, c'est la loi d'hospitalité qui est une loi d'humanité en quelque sorte.